l'espace. Littéralement un vide illimité. Gwen Tennyson s'y aventure, franchissant des barrières qu'aucun enfant n'avait jamais franchies. Aucune force cosmique ne peut briser son élan. Waouh, j'ai vraiment besoin d'un peu d'espace. Oh! Attendez une minute, cette lettre, elle parle de la flûte. Oh! Ah! Une de ces manettes doit arrêter la machine. Vous vous battez est ici. Et personne n'a jamais rien volé. Molly McJoy a épousé un Hartfield et on lui a donné cette flûte. C'est dans cette lettre d'amour qu'elle a écrite. Maintenant, je crois qu'il est temps de mettre en sommeil ces fantômes et cette vieille querelle. Vous n'êtes pas d'accord? On dirait que vous avez des ennuis. On peut vous aider? Vous n'y pourrez pas grand-chose. On ne peut pas déplacer nos chèvres parce qu'elles sont vides. Quelqu'un leur a volé leur essence. On pense que c'est le Chupacabra. Le Chupacabra? Gwen! Vraiment? Gwen! Une créature à écailles qui mange exclusivement les chèvres? Allez, viens, on s'en va d'ici. Vous croyez vraiment? Qui d'autre ça pourrait être? Bon, ça suffit. Allez, Gwen, reviens vite dans le camping-car. Je voudrais qu'on... Tu ne peux pas avoir peur de cette petite bête. Gwen? Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu te bats contre moi? J'aurais vraiment pu te faire très mal. Tu as peur de me faire mal? Laisse-moi rire. Tu ferais du mal à n'importe qui pour te faire mousser. Oh, oh, Zombozo, bien sûr. Tu es sous le contrôle de Zombozo. Il faut que tu en sortes. Stop! Non, je veux pas me battre contre toi. Pourquoi pas? Tu as peur que je te vole la vedette? La vedette? N'aie pas l'air si étonné. Tout le monde dit toujours félicitations, Ben. Bien joué, Ben. Tu es un héros, Ben. Mais qu'est-ce qu'on me dit à moi? C'est moi qui échafaude les plans. Je t'ai aidé à vaincre des dizaines de méchants. Je pourrais quand même avoir droit à un remerciement, non? On me laisse toujours sur la touche. Alors que toi, tu récupères tout les lauriers. Pourquoi je me sens toujours laissée pour compte? Vas-y, Pirouette, achève-le. Tu peux devenir la star. Tu as ce qu'il faut. Vas-y, je le mérite. Je suis vraiment désolée, Gwen. Je me suis conduit comme un crétin. Je voulais pas m'approprier tes idées et je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai fini par te faire de la peine. Tu parles d'un héros. Pirouette, arrête d'hésiter et achève-le. Je ne m'appelle pas Pirouette. Je suis Gwen Tennyson. Allons sauver grand-père et les autres. Il faut qu'on détruise ce truc. Est-ce que tu veux le faire? Ferez signe quand vous aurez fini de jouer. Je crois qu'on a bientôt fini. On se retrouve sur Terre, Heather. Ne crois pas que tu vas pouvoir m'échapper si facilement, Gwen. Oh bon sang, où sont les sorts sur l'espace? Gwen, attention. Ben, tu pourrais me pousser un peu? Accroche-toi. Fais-lui cracher du feu, d'accord? Je vais faire ce que je peux. Ah oui, j'y suis presque. Oh, je comprends pourquoi tu voulais faire du feu. Quoi? Non! Stop! Le grimoire! Oh non 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 non! Oui! On a réussi! Ah, et elle assure son atterrissage. Gwen, c'est quoi ton problème? Oh, en dehors de ton haleine fétide, mais qu'est-ce que tu crois? Tu veux faire du mal à mon cousin? Alors moi, je vais t'en empêcher. Oh, la petite Gwen Tennyson croit qu'elle peut m'arrêter. Oh, le joli bâton! Quoi, ça? C'est vrai qu'il est joli, hein? Oh, oui, enfin, je veux dire... Non, je m'en moque complètement de ton fichu bâton. Ouais, tu as sûrement raison. Tant pis. Non, il est trop bien, ce bâton! Eh bien, on dirait que la petite Gwen Tennyson t'a bien eu cette fois. Booyah!